C'est un regroupement d'agriculteurs. Ils vendent tous leurs produits. Et donc, elle s'appelle La Ronde. Et le magasin, il est à la Brévenne. Voilà, je vous remettrai toutes les infos dans la barre d'infos. Et le saucisson, alors ça n'a rien à voir. Un cochonou, il peut aller se recoucher, hein, je vous le dis. Ah non, mais le saucisson de mon parrain, merveille. Et bonjour! Enfin, le mois de juillet, là. Donc, toujours plus. Ça va? Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ici, ça va. Nous sommes aujourd'hui samedi et il est 9h. On s'est réveillé, ça fait une petite heure à peu près, je dirais, avec Doudou. On a réveillé les filles un petit peu plus tard. On a été réveillé par le livreur. C'était quoi, DPD? Tu sais pas? J'ai reçu ma commande Emma. J'ai commandé des verres. Ils étaient bien emballés pourtant. Ouais. Dans des cartons et tout. Mais alors, j'ai commandé un verre double paroi. Il a mouru. Je vais vous montrer. Donc c'était bien emballé. Le verre était dans une tasse que je vais vous montrer après. Et enrobé de papier bulle. Mais voilà. Franchement, on voit même plus le double paroi. Tu touches pas, chérie, il va pas te couper. Donc j'ai pris des photos pour envoyer au site. Ensuite, attends, non, il y en a plus que deux. Non, il y en a qu'un. Il était dans mon oreille. Ah, il est vers mon oreille. Ici, c'est des dessous de verre marguerite. Bon, bah, ça, c'est du liège, donc ça craint rien du tout. Ici, vous avez mon magnifique thé au caramel. Et ici, vous avez deux verres qui ont cassé. Voilà, donc j'ai tout déballé pour faire des photos et pour envoyer un mail à voir s'ils m'en remboursent, s'ils m'en renvoient. L'idée c'est que j'aimerais bien qu'ils m'en renvoient, mais bon, je compte pas trop dessus, on verra bien. Bref, donc voilà, je vais vous montrer les verres pas cassés parce qu'ils sont magnifiques. En plus, donc le verre double paroi, une petite tasse magnifique, lila avec des petites marguerites. Et donc les verres sont très très beaux, par contre ils sont très fin, et c'est pour ça qu'il... Alors clairement, c'est pas l'emballage, hein, parce que c'était bien emballé, mais bon, il suffit juste qu'il balance le colis, il marche dessus, ou un truc comme ça. Regardez ces verres, ils sont magnifiques. Je les kiffe. Voilà. Donc sur 8, j'en ai 6. C'est pas mal, c'est un nombre pair. Voilà. Donc on va envoyer un petit mail, et puis on verra ce qu'ils font pour nous. T'as du son, c'est bon? Oui, c'est bon. Arrête de me faire peur comme ça. Bon, on déjeune. Ouais, je suis pas convaincue. Je ne suis pas convaincue. Je sais pas si je garde ça ou pas. Qu'est-ce qu'il y a, Romy? On va aller s'habiller avant de mettre les chaussures. C'est ma robe Cézanne, c'est la galerie est là. Je ne sais pas si je garde celle-ci ou pas. Je suis bien dedans, vraiment. Donc je pense que je vais garder celle-ci. Allez, un petit déjeuner et je vous reprends après dès qu'on est tous prêts. La voiture. Cali ! La voiture est OK, elle est opérationnelle. Nous aussi. Hein ? Un réveil de livreur. Un réveil de livreur, mais il fallait qu'on se lève. Donc voilà. Je suis allée déposer le colis que je devais déposer et j'ai retiré le colis que je devais retirer. J'y suis allée, c'était quoi ? 3h ? 3h. Ouais. Non, 3h. 3h15, je suis rentrée. Il y avait la livraison le gros camion de Lidl. Ils étaient en train de décharger et tout. À 3h, il y avait les employés. Alors, il n'y en avait pas beaucoup, hein, mais ils étaient quand même là, quoi. Enfin, allez, on petit déjeune. N'appuie pas sur n'importe quel bouton, Bérangère. Bon, je suis en train de faire le ménage. Tout à fait normal. Je suis avec des talons de 8 cm et une robe. Voilà, et je suis en train de faire le ménage. Tout va bien. Allez, on est parti. On finit. Je finis mon bras de ménage là. Je remets tout dans le garage et la voiture est chargée. Donc voilà, ça c'est cool. Comme ça, au moins, on part en vacances. Je sais que la maison elle est nickel quand on rentre et que ça sera pas à faire en rentrant de vacances.
Voilà, moi j'ai besoin. Franchement, je l'aurais pas fait avant de partir, j'aurais pas été bien. Donc voilà. Les lunettes, je vais les faire sauter, je les mets juste sur le nez, c'est pour pas les oublier. Je me suis pris un petit peu de boulot couture. Alors vous allez me dire, bah, Roger, t'abuses. Ouais, mais en fait, je sais que je vais pouvoir avancer, donc autant que je m'en prenne, au moins pour faire les traçages, les découpes, etc. etc. Et j'ai même pris ma machine à coudre. Sait-on jamais. Voilà, allez, je finis mon petit coup de propre là, et après on est parti, let's go! Bon, on est allé se promener avec Calinette. Je vous ai pas pris de pluie ce matin, mais on passe une trop bonne journée, donc voilà. On va voir les vaches, on vient d'aller voir les cochons, et là on va voir les vaches. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé des cochons, ma chérie? C'est trop bien, mais par contre, il y a pué. Ouais, elles viennent vers nous. Regarde, elles viennent vers nous. Bonjour les vaches. Regarde. T'as pris une photo? Ouais. Alors, tu t'approches pas du fil là, parce que là, il y a l'électricité dedans normalement. Je suis pas sûre, mais on va pas vérifier. Bonjour, mesdames. Parce que si y a de l'électricité... Bah, ça va te faire mal. Tu prends des photos. Oh, j'en ai pris. Ouais, regarde. Elle est tachée noire, t'as vu? Mais arrête de dire croquette. Bon, alors comment on fait? On va faire comme si on avait une loupiote de camping. Ah, voilà. Moi je devrais le mettre plutôt là. Ouais, en fait c'est dégueulasse. Ton crâne il brille. Bah, puis toi je te vois plus parce qu'il y a mon grand bras. Bon, bref. Bonjour. Bonsoir. Désolé pour ce logistique de la dernière minute. On vient de partir de Bruxelles. On a passé une super journée. On a passé une trop bonne journée, c'était trop trop cool. Les filles se sont éclatées, elles ont dansé, il n'y a pas eu de sieste cet après-midi. Donc autant vous dire que là, ça dort déjà, on est parti il y a 20 minutes. Voilà, c'était vraiment trop trop cool. Je repars avec du saucisson. Donc on est sur du double saucisson, poitrine fumée. Mais alors attention, c'est pas n'importe quel saucisson. C'est le saucisson de mon parrain. Pour tous ceux qui sont pas loin, il y a une. Alors, je sais pas si on peut appeler ça une coopérative, mais je crois que c'est ça. En fait, c'est un regroupement d'agriculteurs. Ils vendent tous leurs produits. Et donc, elle s'appelle La Ronde. Et le magasin, il est à la Brévenne. Voilà, je vous remettrai toutes les infos dans la barre d'infos. Et le saucisson, alors ça n'a rien à voir. Un cochonou, il peut aller se recoucher, je vous le dis. Ah non, mais le saucisson de mon parrain, merveille. À midi, pour vous expliquer un petit peu, donc ils avaient prévu du poulet basquez avec du riz. Sauf que Bibi, poulet basquez, blindé de poivrons. Mon parrain, il m'a fait une assiette avec des tranches de saucisson. Une tranche de rôti cuit. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Du pâté trompette de la mort. Ouais. C'est trop bien. J'ai donné envie à beaucoup de personnes avec mon assiette de charcuterie. Moi, je me gavais de poivrons à côté parce que voilà. Bébé, elle ne supporte pas le poivron. Mais du coup, ouais, il y en avait de partout. Donc, elle a été la première. Donnez-moi du riz avant que tous les. Je suis allée me servir le poivron. Riz avant qu'il touche le poivron avec la sauce ou quoi, pour pas prendre de risque. Alors, bien entendu, j'ai mes traitements, hein, mais mes traitements étaient au fond de la valise, donc on n'allait pas prendre de risque. Voilà, mais franchement, on a passé. C'était trop cool. C'était vraiment trop, trop cool. Voilà, donc là, on est sur la route. Hein. On est parti il y a quoi? J'ai dit 20 minutes à peu près. Oui. Les filles dorment déjà. J'avais pris de quoi grignoter, parce que je savais qu'on allait partir assez tard. Et on est parti. Alors là, l'heure d'arrivée, c'est 3h30. On n'arrivera pas à 3h30, puisqu'on va quand même s'arrêter. Je pense qu'on va faire peut-être un petit somme, une petite sieste. On verra comment on est. Ça dépend. Parce que si Doudou, généralement, il n'arrive pas à dormir quand je conduis. Quand tu conduis. Moindre virage, moindre subrosso, moindre truc, ça me réveille. Donc, Voilà, c'est pas ma conduite, hein, dis-le. Non, c'est pas ta conduite, c'est moi. C'est c'est les à-coups de la voiture. Moi, il n'y a pas de souci pour m'endormir. Donc, c'est pour ça que je lui ai dit, je commence. Et après, bah, tu prends le relais et au pire, on s'échange encore une fois. Enfin bref, on verra. Voilà, Soso est au courant, elle nous attend. J'ai trop hâte, ça va faire du bien. Ça y est, les vacances commencent. C'est
trop cool. Cette lumière est dégueulasse. On est désolé pour ça. Oh, mais trop belle, regarde. Vraiment. Non, non, mais franchement. J'aurais pu mettre comme ça, d'ailleurs. Sinon, ouais, ah non. Donc sinon ce matin, donc on est passé à la coopérative pour voir s'il y avait du saucisson. Il y en avait pas. Mais mon père m'en a donné quand on est monté à la ferme. Il en a mis de côté. Et par contre, j'ai pris du fromage. Donc j'ai pris un chèvre figue et j'ai pris un chèvre avec, vous savez, les fleurs séchées autour là. Qu'on adore, on adore ça. Donc voilà, mais je vous montrerai tout ça demain quand on sera chez Soso. Chez Soso. Chez Soso. Voilà, c'est Soso. Voilà. Ça nous a fait quand même gagner pas mal de temps de partir d'ici. On a gagné 1h30. Donc c'était pas du temps de perdu. C'est ce que je disais à bébé, je disais, tiens, si ça se trouve, ça serait peut-être pas mal de voir si on peut pas partir. Ouais, par contre, moi je suis dégueulasse. On pourrait pas partir en direct depuis là-bas puis de voir ce que ça donne. Et en fait, oui, c'était une bonne idée, quoi. Bah oui, on a gagné du temps, donc autant qu'on le gagne. Hein. On se sent de conduire. Après, c'est comme on disait, parce que là tout le monde savait qu'on partait, tout le monde nous a dit méfiez, faites attention, arrêtez-vous si ça va pas. Bien entendu qu'on va pas prendre de risques, chérie. Lève un peu. Pardon. Qu'on va pas prendre de risques. si on se sent pas, on s'arrête, on dort et on repart après. Et voilà, on va pas prendre de risques, ni l'un ni l'autre. C'est logique, mais je préfère le préciser quand même. Voilà. Voilà. On est parti, mon petit chat. Allez, on vous reprend. Je vais boire un coup, j'ai la soif. Je sais pas quand. On vous reprend peut-être à la pause remplissage de voiture. Ouais. Parce qu'elle va avoir soif. On est au milieu du réservoir. Et puis voilà. Il fait un temps un peu bizarre. Doudou va vous montrer le ciel. En fait, aujourd'hui, on n'a pas eu de pluie. On n'a pas eu de pluie, mais là en fin de journée il fait 16 degrés hein, de toute façon. Donc, il fait beau, hein, les nuages, c'est bizarre. Hein. Ouais. Je pense qu'il n'y aurait pas les nuages, on aurait le coucher de soleil. Oui, bah regarde, il n'y aurait aucun nuage, il ferait super clair. Et voilà. Là on est dans la Loire, on vient de passer Saint-Barthélemy-Lestra. Et puis on va récupérer l'autoroute. Désolé, je me confuse, mais le portable est tombé. Je ne sais pas quelle autoroute on va récupérer. voilà. Je vais essayer de pas débrancher. Fait n'importe quoi. Si vous avez le mal de mer, c'est de sa faute. Hein. Désolé, on va sûrement peut-être couper. Regarde. Ouais, si ça coupe, c'est que c'est... Si ça coupe, vous verrez pas ce passage. Voilà. Si vous êtes là, c'est que ça allait. On n'a pas voulu. Ah, j'ai zoomé. Vous avez fait zoom en plus. Allez. Hop. Non, mais allez, il est temps là. Allez, raccroche. Allez, raccrochez, monsieur. Il fait nuit. Et c'est toujours très près. On disait. Elle est là. Elle est très contente que je sois dégueu. Là. On a bien roulé cette nuit. On vous a pas repris en rentrant parce qu'on était fracasse. On est arrivé, c'était 4h. 5h moins 20. Ouais. Mais on est arrivé, c'est le principal. Là, on va faire des courses. Parce que Soso, elle a rien dans le frigo et nous, on est parqués à 5. Donc, il faut faire des courses parce qu'on a trop petites... J'ai des pâtes, quoi. Ça aurait pu servir, mais bon, pâtes... Non, mais on veut se faire sunset ce soir, donc il faut aller chercher de quoi faire l'apéro. Romy, joue pas avec le volet. Romy, non, interdit ça. Oh. Oh. On le range. Ça va, elle a pas trop changé, ma fille. Elle parle beaucoup trop bien. Ouais, oui, mais bon... Est-ce que tu peux juste pas trop vieillir quand je suis pas là, s'il te plaît? Oui. Allez, on est parti, let's go. Coucou. Soso, on a fait les courses. Il y avait du monde. Ils arrivent chez moi. Tu veux voir le bordel que c'est ou pas? Il y en a partout. Il y en a partout. Il y en a partout. Partout. Mais tu le sais. Pourquoi? Ticu. T'as fait caca. Ticu. Ticu. Dégueu. Dégueu, elle a dit. Dégueu. T'as fait caca, Romy? Je sais pas. Bah ça sent, hein. Elle, ça sent. Ça sent quand t'as se balade, mais ça sent pas. Bah là, elle pète. T'as pété? T'as pété? Ouais, c'est ça, ouais. Bon, on a fait les courses. 200. 30 balles? Je sais pas, c'est toi qui as payé. 230 balles? Oui. Ouais, des balles. On a acheté 230 balles. Des balles de tennis.
On a acheté des glaces pour nous et pas pour vous. Non, parce qu'on s'est dit que vous méritiez pas les glaces. J'ai pris. Quoi ? T'as pris pour demain ou quoi ? Bah non, pour là tout, bah non, rien. Pour ce midi, juste pour midi, oui. T'es parti, t'as dit on fait les courses pour aujourd'hui. Oui, non mais. Et arrivez là. Arrête de crier, chérie, y'a pas besoin de crier. Là-bas, elle m'a dit, elle prend tous les on a dit, j'ai dit ce soir, on fait les courses juste pour ce matin, enfin pour midi et ce soir, et on ira les refaire demain. Mais en fait, arrivé là-bas, j'ai dit, allez, go, c'est bon. On s'en est débarrassé, voilà. Allez, go, on va ranger. On fait des bisous, on vous dit à demain, parce qu'on va commencer le vlog d'aujourd'hui, demain, enfin maintenant. Ah, donc là, tu leur dis à demain, mais en vrai, dans deux secondes, je vais refilmer. Ouais. Donc, bah, on coupe et on vous dit bonjour. Exactement. C'est ça. Bisous. Ah, tu l'aimes. Là, c'est les courses. Range, Soso. Range. Allez, hop. Joséphine. Range bien. Oh, putain, ça serait bien. T'imagines, tu claques des doigts. Allez, les filles vont ranger. Tout le monde range. Et ensuite, vous prenez les sacs, vous les mettez dans. Et après, il faudrait faire à manger. À midi, c'est saumon et courgettes. Ah là là, que. Mais je rigole. Mais pleure pas, on rigole. On n'a pas le droit, on est petite. Romy, Aria. Aria, on rigolait, mon amour. Tu pues le caca, toi. Va voir papa. Non mais Steven, t'es sérieux? T'as mis ton nez dessus, t'as pas senti? Bah si, mais je chantais pas plus fort que quand elle se baladait. Allez, à demain.